parole nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais comment faire pour nous aimer les uns les autres? Alors, Dieu m'a envoyé cette parole. Et j'ai compris que si nous devons nous aimer les uns les autres, il faut que nous aimions d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car Jésus-Christ est la source de la vie. Alléluia. Amen. Il est écrit en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Raison de plus pour que nous aimions Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui n'aime pas Jésus-Christ n'est perdu. Celui qui n'aime pas Jésus-Christ, perdu, qui ne va jamais accéder au paradis. Parce que les enfants de Dieu. Qui aime Jésus ici? Vous ne répondez pas. Eric, qui aime Jésus? Couchez-vous. Eric, Lise, qui aime Jésus? Non, pardon, non. Qui aime Jésus? Non, non, non. Jésus, c'est lui qui va à l'église, t'aimes Jésus, non? Non, pardon, monsieur, pardon, non, je n'aime pas Dieu, pardon. Maudit, là. T'aimes Jésus, non, pardon. T'aimes Jésus, non? Donc, t'aimes au paradis. T'aimes Jésus, non? Pas Jésus. Mais qui aime Jésus, ici, non? C'est qui? C'est le pasteur. Hey, moi, je n'aime pas Jésus. Ah, non, non, non. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Maudit, là. Mais, il dit pas, t'as peur de Jésus, non, fais comment? D'accord. D'accord, c'est qui t'a passé, t'as pas vu? Fais pas du genre. Oui, là-bas. C'est pas pour toi que tu prends votre SMS. Non, mon... Moi, j'ai tout fait. On doit travailler. Okay. Quel travail même, quel bon travail même. Moi, quel bon travail. Je vais te laisser ici. C'est quoi ça? Hein? Non, mais c'est pas vrai. À cause de portable. Ça, tu vas faire jusqu'à combien de temps tu es dans un pipe? Mais tu fais vite, tu viens là-bas parce que t'attends, hein? Non, moi je ne peux pas venir. Non, pas que je ne viens pas. Non, pas une fois tu vas venir. Non, moi je travaille, non? Non. Depuis trois jours, on travaille, fermé par les gens. Moi, j'ai fait comme ça, et puis là même, je ne sais pas qui prend pas chez moi, j'ai prêté ça même. Il faut dire au patron, je ne viens pas aujourd'hui, je ne viens pas demain, je ne viens pas après demain, il y a quoi même? Que fais pardon? Petit, attends, tu as versé. Petit, tu as versé. Pardon, pardon, grand. Faut ramasser. Ramasse. Faut ramasser. Que fais pardon, ramasser. Attends, attends, attends. Ah. Non, tu n'as pas pitié de moi, quoi. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait écrire SMS. Faut ramasser. Tu sais pas qu'on s'assoit à la maison pour écrire SMS. Ramasse. Je dis, ah, ramasse un petit là. Prends un peu ta main dans ta bouche. Prends un peu. Va un peu dans ta bouche. Je te mets un peu dans ta bouche. Je vais pas te ramasser. Pour ramasser, ramasse. Laisse-toi, pour ramasser. Donne-moi portable là. Portable, c'est pas grave. Tu dis quoi? C'est pas pour toi que tu prends votre SMS. Donne-moi portable. Oui, grave. Pardon, c'est pas grave. Donne-moi portable. Pardon, pardon. Donne-moi portable. Tais-toi. Mets ton portable là. Comment vendre ça? Pardon. Et puis là, là, il y a pas assez de nourriture pour manger. Donne-moi assiette là même. Donne-moi assiette là. Ah!
Faut pas me suivre. Viens pour pas me suivre, imbécile là. Mon portable. Il a pris mon portable. Je prends pas de plus gros de mes. Hey, chérie, ça va aller, hein? Faut boire un peu d'eau. Non, il ne boit pas. Pardon, bois un peu. Toi-même, tu sais que nous n'avons pas d'argent, hein? Hey, Dieu merci. Tes forces sont là. Merci. On dit quoi ici? Son état ne fait que s'empirer. Nous sommes passés à l'hôpital. On lui a prescrit des médicaments. L'ordonnance est 20 000 francs. 20 000? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous n'avons pas d'argent. Je crois que, comme nous sommes déjà venus là, on va essayer de voir si on peut se cotiser un peu. Francis, combien tu penses que tu peux donner? Laisse faire l'effort de donner 1 000 francs. Yasmine et toi? Pour mon mari n'est pas là. Ce que je peux donner, c'est 1 500. Merci. Maman, en tout cas, sans t'es menti, moi-même, je ne peux rien donner. Comme le temps presse, on va partir en question. Bon, on va partir. Bon, on va partir. Bon, on va partir. Hey, tes frères, là, avec tout ce qu'ils ont comme bien, ils ne peuvent que donner 2 500. Pour des dépenses qui vont 20 000. Eh, Dieu! Les frères, vous savez que notre frère n'est plus. Et vous savez aussi combien de fois il comptait pour nous. Maintenant qu'il n'est plus, je pense qu'il a droit à des funérailles grandioses. Belle-sœur, nous allons partager un peu les choses de nos frères. Parce que c'est moi qui représente la famille. Et là, vous savez que la maison me revient. Voilà. Yasmine, toi, ce que je peux te donner, c'est tout ce qui concerne la cuisine. Hein. Bah, les marmites, les casseroles, les cuillères. En tout cas, tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà. Merci, grand-frère. Voilà. Quant à toi, Francis, ouais. Je pense que je vais te donner les meubles. Ah, ok. Voilà. Bon, ben, hein, tout ce qu'on peut faire pour toi après les funérailles, toi, tu vas retourner en famille. On va décider, on va prendre les grandes décisions et après ça, on va voir ce qu'on peut faire avec toi. Bon, je vais voir dans la maison. Peut-être qu'il y a des choses précieuses qu'il a gardées. Ouais, ouais. Et je vais essayer de voir si je trouve quelque chose. D'accord. Ouais, ça, c'est pour Francis. Ça aussi. Ça, c'est pour Yasmine. Bon, je crois que j'ai. C'est moi, tu cherches. Il faut bien parler, tout à l'heure tu es venu là, tu parlais bien, non? Si tu décides comme ça cet après-midi, là, je veux. C'est le problème. Pour les fêtes, là, je vais faire une vraie coiffure. Oh. Et tu as su? Qui ça? Celui qui a un chapeau, là? C'est pas lui. Celui qui est à côté de lui. Oui, je vois, je vois. Et il disait qu'il m'a dragué. Attends, toi aussi. Ah, comment moi aussi? Mais c'est de lui que je te parlais la fois dernière là. Il y a lui là. Son signe zodiac là. C'est femme. Mais il fait ça? Et là, si tu penses que nous sommes en train de mentir là, on va te préparer un coup. Oui. Quel coup ça? Frankie, est-ce que tu vois la petite hein? Ouais, 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 regarde ça. Les autres. Les eaux, non. Elle est foncée, hein. Ah, non. Tu aimes ça, hein. Joe. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. C'est quel prénom? Audrey. Vous habitez le café? J'habite tout près là. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Je vous ai déjà montré chez moi, non?
Non, tu peux venir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Mm-hmm. Ok, ça marche, y'a pas de problème. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, monsieur, je viens de voir Audrey. Audrey? Oui, Audrey. Vous êtes venu voir Audrey? Oui. Ah bon? Entrez. Tu as dit que c'est Audrey qui est venu voir? Oui, c'est Audrey. Au fait, c'est ma voisine de classe. Donc, comme je suis des passeurs dans le quartier, j'ai passé lui dire bonsoir. Mmh, okay. Tu as dit que c'est ta camarade de classe, hein? Oui, c'est ma voisine. Didi! Viens avec Audrey. Voici Audrey. Hmm? Audrey. Audrey, vous faites ça avec lui. Hein? Moi, je vais partir. Audrey. Mais faut bien parler. Tout à l'heure, tu es venu là. Tu parlais bien, non? T'as traité. Oh, un erreur. T'as répondu pas aussi. Je vais appartir. Tu es malade. Monsieur Trahini Francis, oui. Nous avons pris connaissance de vos dossiers. Il va falloir faire un entretien. Ok. Voilà. Nous avons dans nos murs ce matin un Américain. Alors vous allez vous charger de faire la traduction. J'espère que je peux compter sur vous. Bien sûr. C'est bien. Bon, mademoiselle Yao, veuillez faire entrer l'invité. Alors, monsieur Trahini, oui. Vous pouvez diriger l'entretien. I am Trahini Francis. Ok. Traducteur. Speak. Mm-hmm. I'm happy to work with your society. Monsieur le directeur, il dit qu'il est très heureux de venir travailler avec nous. Okay. My presence here, it is with the intention of bringing a big change in the economy. What? Breaking. Ah, breaking! Monsieur le directeur, il dit qu'il n'est pas venu vous braquer la société. Monsieur le directeur, c'est parce que je parlais. Donc vous êtes venu pour me mentir? Non, monsieur le directeur. Mais le monsieur dit que vous mentez. Quoi? Monsieur le directeur, vous-même vous l'avez entendu parler, monsieur le directeur. Son français est tendu. Dites plutôt que c'est vous qui êtes tendu, hein? Sortez! Sortez, je dis! Qu'est-ce que tu fais, Bouddha? Non, patron, rien de grave quoi.
comme c'est le week-end là, là je suis passé pour voir si tu peux me trouver un peu d'argent quoi. Et puis un peu d'argent c'est combien? Moi 5000 comme ça. Quoi? 5000? Tout ce que moi je peux te donner là, assis là, tiens. Attends, 1000 francs. Patron, il y a d'autres beaucoup dehors là-bas. Moi, ne fais pas avec. C'est moi qui suis parti prendre. Mon patron. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est pas. C'est quand même que des Allez, cachez. Je viens. Je vais. Chez vous, mon matin, c'est une fois que tu as acheté un petit truc pour manger. Tu tombes malin. Monsieur le patron, maintenant m'a donné 1000 francs. Oh, ta mère, tu sais que je dois beaucoup. Mmh, mon chéri, toi, tu sais que c'est toi aussi au compte. Mes parents ne peuvent pas me donner à manger. Bon, c'est que je t'aime. C'est pour toi seulement que je vais faire ça. Hein. Donc, on va prendre ça, on va acheter quelque chose ou bien. Ok, chérie, c'est vraiment mes termes. Ok. Hé, Joe, c'est bon. Ah, on y va, pas de problème, c'est bon. Ça va? Attends, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici comment? C'est ma chérie? Là, je n'aime pas ça. Attends, je ne peux pas faire ça. Tu vas. Non, tu vas me mettre à mettre le côté. Il n'y a pas ça de nous. Sors ici. Là, je ne peux pas faire ça. Sors pas. Ceux-là, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à faire par là. Mon chéri. Ok, je viens tout de suite, tu as arrêté là-bas. Ok, attends, moi, je viens de suite là-bas. Attends, allez, tiens, viens de tout de suite. Tiens, où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Annie, depuis le moment je te parle même, tu me calcules même pas même. Mais Annie, regarde-moi au moins. J'ai dit, que me veux-tu? Je ne t'aime pas, mon frère, je ne t'aime pas aujourd'hui, je ne t'aime pas, demain je ne t'aime jamais. Tu as entendu? L'amour vient du cœur, mais ton amour n'est pas dans mon cœur, tu me fais quoi? Donne-moi au moins une chance. Tu me parles de quelle chance? Tu penses que si nous sommes mariés, les amis ou un concours pour me parler de la chance? Ici, il n'y a pas de chance ici. Il est parti. Ok, au revoir. En tout cas, moi, je ne désespère pas. Hein. Ok. Je vais revenir. Ok, dans tout, je espère. Reste dans ton contexte. Zaki! Oh. Allez, bien, c'est moi. Hé, hey, petit. Allez, bien. On dit quoi? Ouais, ça va. Bien. Ah. Allez, bien. On dit quoi? On dit quoi du matin? Fais du bien. Il y a un mousseau au quartier. Tu veux, je suis pendé, quand fatigué. Il veut que je parle au mousseau, nous. Mais il calcule même pas. Il veut me regarde même pas un peu, mais. Quand au quartier, il avait fait remarquer que, ah, aucune fille te résiste, quoi. Tu vois, non. Mais c'est ainsi, il devait te faire. T'as un peu de conseils, quoi. Comment il a fait son vieux, je suis trop bordel d'elle. Mais Bédi, tu es prêt. Mais je suis prêt. Ah, c'est, tu es prêt. Prêt, mais. Lance-toi. Il veut passer là. Ah, de quoi? Il lance. Il lance. Il l'a chien. Ok, attends-moi ici. Ouais, petit. Tu as vu ce produit là? Tu prends un peu, hein? Mm-hmm. Tu frottes ça sur tes mains. Hein? Mm-hmm. Et puis tu mets un peu sous ta langue. Mm-hmm. Voilà. Mais tu n'es pas la personne, hein? Mm-hmm. Jusqu'à ce que tu arrives chez la fille et puis tu lui parles. Mm-hmm. Tu comprends, non? Ouais, bébé. Si tu es dans la rue, ne parle à personne. Même un garçon, si tu lui parles, mm-hmm. Il va te suivre. Il risque de te suivre, hein? Oh, voilà, viens mettre sur ta main, hein? Voilà. Un peu. Voilà. Faut flotter, faut flotter. Mange ta langue. Voilà. Voilà. Ça fait mal dans ces quartiers là. Ça c'est maman, tu les pieds, fait mal aux filles là. Mon vrai mouton là. C'est ça, hein? Mm-hmm. Ah, Frankie.
T'es dedans, non? T'es dedans, qu'est? Y'a quoi? J'ai parlé.